parler aujourd'hui d'un concept qui est très répandu, la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, n'est-ce pas, d'Alain Epstein, elle est considérée comme le meilleur des systèmes. Je crois d'ailleurs que Winston Churchill disait que c'était le meilleur des systèmes, à l'exception de tous les autres. Voilà, le moins mauvais. Ouais, le moins mauvais. Ouais. Bon, alors la démocratie. Alors, écoutez, on dit souvent de nos jours que la démocratie est en danger. C'est-à-dire, on a pu croire, je me souviens de mon enfance, on croyait que voilà, les régimes obscurantistes qu'on a malheureusement connus au XXe siècle, tout ça, on a laissé ça derrière nous, et on va vers une période où la démocratie va s'étendre à l'ensemble de la planète. On est très loin de ça aujourd'hui. Il faut dire tout de suite que démocratie signifie le gouvernement par le peuple. C'est un terme grec, c'est important de le remarquer. Dans notre tradition, on va parler maintenant judaïsme et démocratie, le terme n'existe pas. Ce que je veux soutenir maintenant, c'est que le judaïsme ne réfléchit pas en termes d'institutions, comme la Grèce ou comme Rome, d'une république démocratique. Il réfléchit en tant que personne, à partir de la personne, de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une analyse ou des fondements du régime démocratique dans la Torah. On parle d'un régime royal. Qui n'est pas d'ailleurs très bien vu ni dans la Torah ni dans les prophètes, dans le livre de Samuel, une critique assez violente du pouvoir royal, du pouvoir absolu. Mais en tout cas, ce qui est important à mettre en lumière, à mon avis, c'est que l'idée démocratique, elle est fondamentale dans le judaïsme. Une petite histoire pour commencer. Lorsque le verset nous dit au début de Bereshit, « Naase Adam, Betzalmeinu Kidmuteinu », « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Les commentateurs se demandent pourquoi ce terme de Naase Adam. Et il y a une très belle histoire dans le Midrash qui nous l'explique, qui nous dit que lorsque Dieu a conçu l'idée, le projet de créer l'être humain, les anges se sont divisés. Les uns disaient « il est bon de le créer, c'est une très bonne idée, tu as raison », et les autres disaient « non, non, c'est une idée vraiment néfaste, il faut absolument renoncer à ce projet ». Alors, donc les anges discutent, et il y a un moment, Dieu intervient, il fait quelque sorte un coup de force, hein, il précipite l'ange de la vérité qui était le grand adversaire de l'homme, il dit que l'homme est une créature capable des pires mensonges, on voit combien il avait raison d'ailleurs, et Dieu donc va précipiter l'ange de la vérité, et l'homme sera créé. Eh bien, il y a une explication chassidique là-dessus, qui dit que les anges en général ne discutent pas. Toujours d'accord, ils sont les serviteurs de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils discuteraient? Ils n'ont pas d'ailleurs ni de libre arbitre, ni de volonté propre. Et le seul moment où ils ont commencé à discuter, c'est lorsque l'idée est venue de créer l'homme. Alors dit un commentateur chassidique, Rabbi Yitzhak Meir, le Gour, il dit, Dieu dit, tiens, c'est bizarre, vous qui ne discutez jamais, tout à coup vous êtes mis à discuter, c'est donc que l'homme a déjà été créé. Il lit de cette façon le verset, non pas « faisons l'homme à notre ressemblance », mais « l'homme est déjà fait, Naasa Adam. Hein? L'homme a déjà été. C'est-à-dire que l'homme naît d'une sorte de fin du consensus, fin de la vérité unique, ce qui est une idée assez géniale, et qui trouve son appui dans le texte même de la Torah. Pensez à ce fameux récit au début de Sefer Bereshit de la tour de Babel, où tous les hommes étaient réunis autour d'une même idée. Safa Achat ou Dvarim Achadim, ils avaient une langue et des propos uniques. Alors Dieu dit, mais c'est très menaçant, cette histoire-là. Ils sont tous d'accord. Ils se sont mis d'accord. Il n'est pas écrit dans le texte qu'ils étaient, comme le dit le Midrash, il y a des Midrashim, qu'ils étaient opposés, voulaient conquérir le ciel, etc. Mais dans le texte lui-même, il est écrit que ce qui a effrayé Dieu, ils ont tous une seule langue. Ils ont tous, on ne sait jamais ce que ça va devenir. Hein. Donc la langue unique, ce serait la tour de Babel. C'est-à-dire que... Voilà. C'est tout à fait rejeté dans le judaïsme. Il y a 70 langues dans le monde. Voilà. Et c'est d'ailleurs très beau, les commentaires font remarquer ce point, que cette intervention divine pour mettre fin à une société qui a une pensée unique et une langue unique, ça se produit en Babel. Or, c'est en Babel que, bien des siècles plus tard, que va s'élaborer, cette création qui est tellement spécifique au judaïsme, qui s'appelle le Talmud babylonien. Or, qu'est-ce que c'est que le Talmud babylonien, sinon une recherche de la vérité qui se produit au moyen de controverses. Et c'est pourquoi, je pense, tout le Talmud est fait de controverses. Hein, Mahlokot, comme on les appelle, des discussions qui sont souvent très virulentes.
penser à Hillel et Shammai, ce sont deux points de vue totalement opposés. Ou Rabbi Yochanan et Reish Lakish, je pourrais citer de multiples exemples. Or, ce que j'appellerais l'idée démocratique, avant l'institution démocratique, qui va lui donner une forme, l'idée démocratique, ce n'est pas d'obtenir une majorité qui va s'imposer à la minorité, qui va imposer sa volonté à la minorité. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, l'idée démocratique, c'est le respect de la minorité. C'est la majorité qui va donner, évidemment, va former la loi, mais toujours en tenant compte du point de vue minoritaire. Mmh. Hein ? C'est une société adulte, une société démocratique. C'est une société qui est capable de survivre à la controverse. Or, l'idée démocratique, c'est non seulement de supporter tout cela, de l'autoriser, de le tolérer, mais je dirais même d'encourager cet esprit critique. Il y a une très belle histoire dans le Talmud où on raconte qu'il y aurait une rencontre entre Alexandre le Grand, qui était le disciple d'Aristote, et les sages d'Israël, les anciens du Negev. Et Alexandre le Grand pose un certain nombre de questions aux anciens du Negev, et une de ces questions, c'est tellement caractéristique du Talmud, une de ces questions, c'était, Alexandre leur demande, que faut-il faire pour se rendre populaire ? Alors ils répondent, pour se rendre populaire, il vaut mieux se tenir à l'abri du pouvoir, s'écarter du pouvoir. Et Alexandre le Grand dit, moi j'ai une meilleure réponse que la vôtre. Pour se rendre populaire, il faut être proche du pouvoir. Si vous êtes proche du pouvoir, vous pouvez faire du bien au peuple. Donc on voit ici cette conception des sages du Talmud. Ils n'aiment pas le pouvoir, ils redoutent le pouvoir absolu. Ils redoutent cette tentation qui est la tentation de tout pouvoir. Lorsque vous avez du pouvoir, c'est ça, je dirais, la faiblesse humaine. Parce qu'on a du pouvoir, on veut l'utiliser, et si possible, l'utiliser au maximum. Les sages d'Israël, je dirais, ont ce qui fait l'essence de l'esprit démocratique. Pensez à ce qui est dit du roi dans la Torah. La Torah nous présente la royauté de façon extrêmement défavorable et nous met en garde en fixant des limites au pouvoir royal. À sa tentation d'avoir beaucoup d'argent, à sa tentation de vouloir s'approprier des femmes, à sa tentation de vouloir déployer sa force. Dans la Torah, il y a la question de chevaux, mais ça peut être des chars, ça peut être des avions ou des tanks. Et dans le livre de Samuel, cette critique est répétée lorsque le peuple demande à Samuel, qui était un juge, demande un pouvoir royal, ils veulent un roi comme toutes les nations. Eh bien, Samuel les met en garde, il dit attention, hein, ils vont mettre la... Ce roi, il va mettre la main sur votre propriété, ce roi va vous asservir, ce roi se transformera en une idole. Or, si on sait que la Torah repose sur cette opposition à toute forme d'idolâtrie, je dirais que l'idolâtrie politique est la plus redoutable. Elle va se concrétiser sous forme de tyrannie, de pouvoir absolu. Donc si on veut tirer une leçon de ce que pense le judaïsme de la démocratie, je dirais que... Il en pense beaucoup de bien. Il faut dire en effet que le judaïsme accepte totalement la démocratie, au sens du gouvernement du peuple. Gouvernement du peuple, vous savez, j'ai certaines réticences envers... C'est la traduction du mot démocratie. Certaines réticences envers une conception reçue de ce que c'est que ce gouvernement du peuple. On sait très bien qu'il existe une tendance, on en parle beaucoup de nos jours, la tendance populiste. Oui. Hein, la tendance populiste, c'est finalement flatter, je dirais, ce qu'il y a de plus simpliste, en quelque sorte, dans l'opinion publique. Ce n'est pas du tout ça. Je trouverais plutôt l'expression de cette démocratie dans le Talmud. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une recherche. Il s'agit d'une recherche de la vérité à travers des controverses. Et il y a de beaux exemples de la façon dont le Talmud met en avant la valeur de la démocratie dans cette recherche de la vérité. Pensons à quelques exemples qui sont bien connus. Un exemple, c'était un sage du nom de Rabban Gamliel, qui était le chef du tribunal rabbinique du Sanhédrin. Eh bien, Rabban Gamliel, que nous citons d'ailleurs le soir du Seder, c'est lui qui conclut le soir du Seder, était un personnage autoritaire. Il le dit d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah, on nous dit, Rabban Gamliel dit, « Tout celui qui n'a pas parlé comme moi, lo yatsa yederobato, il n'a pas accompli la mitzvah. » Alors qu'il y a beaucoup d'autres sages qui se sont exprimés avant lui. Eh bien, Rabban Gamliel s'est trouvé des contradicteurs. Le plus célèbre était Rabbi Yoshua ben Hanania, qui émettait des opinions contraires à la sienne. Lui fixait le Yom Kippour, parce qu'à l'époque, on fixait les fêtes d'après des témoins qui observaient l'apparition de la nouvelle lune. Lui avait fixé un certain jour, et Rabbi Yoshua, d'après ses propres calculs ou les témoignages qu'il avait reçus,
avait fixé un autre jour. Rabban Gamliel a imposé à Rabbi Yoshua de venir chez lui avec, comme dit le Talmud, ses sandales et son bâton, le jour qu'il avait, lui, Rabbi Yoshua, fixé comme Yom Kippour. Donc de se plier à son opinion. Et à d'autres circonstances, il a humilié Rabbi Yoshua en public parce que celui-ci avait osé émettre une opinion différente de la sienne. Quelle était la réaction des sages? Eh bien, ils sont tout simplement obligés Rabban Gamliel à démissionner. Ils l'ont forcé à démissionner. Et pour vous dire à quel point leur esprit démocratique allait loin, une fois qu'il a, été en quelque sorte évincé, chassé du pouvoir, on lui a substitué un homme beaucoup plus jeune que lui, qui était Rabbi Elazar ben Azaria. Seulement les Chachamim ont dit qu'il faut tout de même respecter l'opinion de Rabban Gamliel. Et ils ont fait une sorte de rotation. C'est bien ce que j'appelle le compromis. Ils ont fait une rotation. Une semaine, Rabban Gamliel, une autre semaine, Rabbi Elazar ben Azaria, de sorte que ceux qui étudiaient dans la maison d'études, on leur demandait toujours, c'était la semaine de qui, cette semaine? Est-ce que c'était la semaine de Rabban Gamliel ou la semaine de Rabbi Elazar ben Azaria? Donc on voit jusqu'où va le respect. Oui. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, donc chef du Sanhedrin, est tout à coup démis de ses fonctions, mais on ne va pas le jeter à la poubelle, pour autant, comme il se passe souvent, malheureusement, dans nos démocraties, lorsque un président de la République ou un premier ministre est démis de ses fonctions, alors ça y est, il n'est plus rien à ce moment-là. Ce n'est pas l'esprit du Talmud. Le Talmud, en ce sens, est un livre profondément démocratique parce qu'il redoute la vérité unique, il redoute l'argument d'autorité et il redoute toutes les formes d'absolutisation de choses qui ne sont après tout qu'une seule vérité humaine. J'ai évoqué ce passage où on dit que Dieu a, pour créer l'homme, il a précipité ici-bas l'ange de la vérité. Eh bien, il y a une très belle conclusion à cette histoire. Lorsqu'on dit que Dieu a fait ce geste-là pour créer l'homme, il a dit la phrase « Emet me eretz titzmar ». La vérité doit croître à partir de la terre. C'est un processus, la vérité. Et tous nous contribuons, nous pouvons, si nous sommes de bonne volonté, de bonne foi, nous pouvons contribuer à ce processus. Chacun peut apporter sa pierre. Et c'est pourquoi on dit, on peut conclure avec cette magnifique phrase du Talmud qui dit « Elu ve elu divrei Elohim chayim ». Lorsqu'il y a une controverse, les paroles des uns et des autres sont les paroles du Dieu vivant. Dieu ne parle pas par une seule bouche. Dieu, Elohim chayim, Dieu de vie, parle à travers les voix des contradicteurs. Donc ce qui nous est imposé à nous, c'est de nous mettre à l'école de ces contradicteurs et de nous former une opinion. Nous avons le droit de nous former, ce qui ne produit pas l'anarchie. Il s'agit d'arriver à la vérité dans toute humilité, comme notre maître Moïse. Dans l'humilité, mais en même temps dans une capacité de devenir adulte. Et on ne devient adulte que de cette façon, en assumant cette responsabilité de ceux qui écoutent les voix des uns et des autres et arrivent finalement à une conclusion qui toujours est provisoire. Merci beaucoup Daniel Epstein pour ces enseignements qui fortifient notre amour de la démocratie. Merci.